à Madame du Châtelet, de Ciré, où il était pendant son exil, et où il lui avait écrit de Paris. On dit qu'autrefois Apollon, chassé de la voûte immortelle, devint berger puis maçon. Il laissa là son violon pour la houlette et la truelle. Je suis 100 fois plus malheureux, votre présence m'y ravit. Je ne vois donc plus vos beaux yeux. Je vous perds, charmante Émilie. C'est moi qui suis chassé des cieux. Pour vous, dans ce triste séjour, je m'adonne à l'architecture. Les talents ne sont pas enfants de la nature, ils sont tous enfants de l'amour. »